L'ancien président du Bénin, Dr Boni Yayi, a manigri ce samedi 29 avril 2023. Il y était entouré de plusieurs députés du Parti Les Démocrates dont il assure la présidente d'honneur, pas pour un meeting politique malgré une aussi chiante mobilisation, mais pour un souvenir douloureux. Cela fait en effet 17 ans que Dr Boni Yayi perdait tragiquement son frère collaborateur, tout premier directeur de cabinet, Maître Ahmed Akobi. Il est organisé donc en son intention en ce jour, sous l'instigation de Dr Boni Yayi, une prière musulmane pour le repos de son âme qui a mobilisé toute la Donga. Je voudrais, au nom des populations de la commune de Bassela, vous dire merci. Merci pour votre déplacement dans la commune de Bassela. Il y a, je crois, 17 ans, non ? 17 ans. 17 ans. À pareille heure. Un samedi comme aujourd'hui. Et nous avons vécu un drame. Un drame inoubliable. Un drame qui a plongé la commune de Bassela, qui a plongé le Bénin tout entier dans les angoisses. Les angoisses de la disparition de notre cher frère fils bien-aimé Ahmed Akobi, père à son âme. Ça fait 17 ans, il est resté dans nos cœurs comme si c'était hier. Cette journée du samedi 29 coïncide avec son 17e anniversaire de décès. Et nous avons dit qu'il faut marquer ce jour. Fait une prière en son intention. Et le président d'honneur, qui fut son patron, qui l'avait nommé son directeur de cabinet au moment des fêtes, a dit qu'il va venir à Manigri faire une prière à son intention. Donc, je voudrais vous informer, chère population de Manigri, commune de Bassela, que c'est le président Yayi Boni qui a organisé cette prière à l'intention de son ancien collaborateur, feu Ahmed Akobi, paix à son âme. Que toutes les prières que nous allons faire ici à son intention facilitent le paradis pour lui. Occasion pour le président Yayi de revenir sur cette séparation brutale qui a laissé à ses côtés, ainsi que dans la République, une cicatrice indélébile. Laisse chef d'État raconter la triste histoire de ce décès tragique. Restez soudés, ne faites pas ce que votre cœur ne vous recommande pas. C'est d'ailleurs ce que vous recommande votre fils Ahmed Akobi, a lancé le président Boni Yayi à l'endroit des populations de la Donga. Avant la tenue de cette prière, l'ancien président Boni Yayi s'est rendu au domicile du roi Ayedeko de Manigri à Diakoko et à celui de Alaoué Ditani, tout en marquant un crochet spécial au palais royal de Bassela, accompagné de l'honorable Lorénois Tchadé.